Et bonjour tout le monde, c'est Ryu. On se retrouve pour le cinquième épisode dans Let's Play sur Final Fantasy 2. Dans l'épisode précédent, on est retourné dans la grotte Sérénite, je sais plus comment elle s'appelle, parce que on nous a dit qu'il y avait un traîneau à récupérer, mais malheureusement, j'ai pas de quoi le récupérer pour le moment. Il y a un rocher qui bloque la route apparemment. Ensuite, on est retourné à Altaïr, donner le mithril à la reine. Elle nous a demandé d'aller voir le forgeron du village. Donc, on lui a donné. Il a fait plein d'armes et d'armures en mithril. Et là, on est arrivé à Bafsk. On a repris le vaisseau de Cid. Ou Bafsk, je sais pas trop comment le prononcer. Il y a le cuirassé. Je pense que c'est le gros vaisseau qu'on voit derrière. Donc, on va essayer d'explorer ça. Vous êtes avec les rebelles? Non. Alors, détruisez le cuirassé. Vous avez besoin d'un laissez-passer pour monter à bord du cuirassé. Ok, il y a des soldats un peu partout. On va les éviter. Ça, c'est l'auberge. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Au travail, j'ai dit. Si nous finissons en avance, ma gloire n'en sera que plus grande. Ok. Nous avons un espion rebelle qui se fait passer pour un soldat impérial. Si vous réussissez à le contacter, il pourra sûrement vous aider. Il nous fait travailler comme des esclaves. Ce Borgen est un monstre. Cet homme se sert de nous sans aucun scrupule. C'est inhumain. Ce qui m'échappe, c'est que je n'ai aucun souvenir de la période où le Chevalier Noir dirigeait les opérations. Ok. Rien de folichon à acheter. Ça, on ressort de la ville. C'est pas ça. Magasin de magie. Pas plus d'adversaires d'angoisse, ce qui les incite à s'enfuir. Bazuna, soigne les altérations d'état qui disparaissent en fin de combat. Soigne toutes les altérations d'état. Ça fait cher, mais c'est pas grave. On a farmé quand même pas mal, du coup on peut se permettre de dépenser de l'argent pour des magies comme ça. Là je pense qu'on va sortir de la ville. Le général Borgen est à la tête des opérations à Bafsk depuis peu. Il est beaucoup moins avisé que ne l'était le Chevalier Noir. Je ne comprends pas comment quelqu'un comme lui a pu devenir général. Franchement, ce n'est qu'un empoté. Faites comme si je n'avais rien dit, d'accord? Alors, c'est vous qui venez de clair le cuirassé? Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Il y a une bouche d'égout un peu plus loin. Elle conduit à une entrée du cuirassé. Faites bien attention. Si on me prend en train de parler, je risque d'avoir des problèmes. Il faut que je parte. Bonne chance. Ok. Mais bon, le bonhomme, il bloquait le passage, alors ça donnait envie de lui parler. Ok. Alors là, je vais peut-être pas utiliser ma magie pour le moment, parce qu'on ne sait jamais si on tombe sur un boss. Je préfère garder mes PM au cas où. Puis comme ça, on va en profiter pour améliorer nos stats en force, etc. Épée longue, ok, bon on pourra la revendre.
Moriart gagne des petits HP comme ça. Ok, bon, il n'y a rien. Ok, bon, mais pas trop le choix. Arc de chasse. Je crois que c'est déjà ce que j'ai avec Maria, mais. Alors après ça va, mes personnages ils ont tellement amélioré en stats que je risque pas grand chose. Puis en plus ça nous redonnait un peu d'argent. J'ai pris le bon chemin pour une fois. Petite embuscade. Vous voyez, les monstres me font 0 en dégâts. Hein. Donc, en général, ils me font peut-être 5 ou 10. Mais là, c'est vrai qu'entre les armures améliorées, les stats que j'avais déjà gagnées en off, etc., là, on est à peu près tranquille, je pense, pour un petit moment. Ah, il y a un monsieur. Bon. Dans le doute. On va se soigner. Vous arrivez trop tard. Le cuirassé est terminé. Je travaille dans l'ombre pour mener le projet jusqu'à son terme. Votre résistance est futile. Vous feriez mieux de rejoindre la cause de votre empereur. Il n'y a pas d'alternative. N'oubliez pas que ce que je vous ai dit. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Nous nous renverrons en temps voulu. Ah, mince. Ah ah ah. Vous avez fait tout ce chemin pour rien, on dirait.
Et à plus rien. Je me suis dit, tiens, il va y avoir un gros combat de boss et ni Borgen ni le Chevalier Noir, on a eu besoin de les affronter. Bon, tant mieux, hein, pour une fois, à la limite, ça ne me dérange pas plus que ça. Vous obtenez un laissez-passer. Ok, cool. Bon, le cuirassé n'est plus là, donc... Le cuirassé, nous sommes perdus. Le cuirassé est opérationnel, notre monde est condamné. Allez dire à la princesse Hilda que le cuirassé est terminé. Peut-être qu'elle saura comment l'arrêter. Bon bah... Ok. Le cuirassé est parti pour Poft. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Bon bah allez, allons-nous-en. Comment on retourne? Ah, faut faire tout le tour. Bon bah, faisons tout le tour. Ça me paraît tellement loin comme comme zone. En tout cas, Minwoo lui monte tranquillement ses points de vie aussi. Il est pas mal. Je peux redescendre par là. Ils ont dévasté la ville, quoi. Le cuirassé nous a attaqué. Mort. Ils sont tous morts. Ouais, le cuirassé a fait des dégâts. On voit toutes les petites maisons qui sont abîmées. Ah, et Aspuxide et puis son acolyte dans le bar. J'allais dire, tiens, pourquoi on part pas maintenant? C'est à moi d'aller au bateau. Allons voir l'arrêt. La reine saura quoi faire. Par contre, ce village a été attaqué aussi. Le cuirassé fait de nombreux blessés. La nouvelle a aggravé l'état de mon père. Quelle tristesse qu'il soit obligé d'assister à un tel spectacle, alors même qu'il sait qu'il va bientôt mourir. Ne pouvez-vous rien faire, Minwoo? Tous les êtres vivants meurent un jour, c'est ainsi. Néanmoins, il est de mon devoir de mage blanc de soulager la peine de ceux qui souffrent. Je dois rester ici et prendre soin des blessés. Il est donc temps pour moi de vous quitter. Le sort du monde est entre vos mains, Firion. Vous devez à tout prix détruire le cuirassé.
Par contre, Minwoo, je t'ai équipé de la tête aux pieds, ça m'a coûté une blinde. C'est pas très cool ça. L'état de mon père devrait vite s'améliorer grâce aux efforts du Minwoo. Ok, bon. Allons voir Minwoo. Allons voir le roi. Allons voir le roi. Le roi dont, le mal dont souffre le roi n'est pas que physique. Je suis un peu désemparé. Parle au roi. L'attaque du cuirassé a fait tant de morts. Peut-être que nous ferions-nous mieux de capituler. Bon, pour le moment, j'ai pas trop de... pas trop d'infos. Les pertes provoquées par le cuirassé sont catastrophiques. Comment lutter contre une telle monstruosité? On va peut-être demander cuirassé au roi ou à Minwoo. Le cuirassé a beau être énorme et répond aux mêmes règles que tous les autres vaisseaux. Désolé. Sid a abandonné tout ce qu'il avait pour son vaisseau. Son grade, son honneur, sa famille, tout. Là, je sais pas quoi faire. Peut-être parler à Sid. Bon, on va aller voir Sid. Par contre, je vais devoir repayer le bateau. Allez, on repart. Mon idée est simple, faire exploser le moteur du cuirassé. Si vous y arrivez, c'est tout l'appareil qui sera neutralisé. Tous les vaisseaux sont alimentés par un feu solaire, même le cuirassé. Il n'est pas évident de contrôler un feu solaire. Si sa flamme est trop forte, le moteur qui l'alimente est voué à exploser. Ok. Donc peut-être qu'en parlant de feu solaire aux autres, peut-être pouvoir... savoir ce qu'on doit faire. Allez, on repart. Demi-tour. Le feu solaire a l'emblème du royaume de Kashuan. Sa flamme brûle en permanence au rez-de-chaussée de Fort Kashuan.
Scott et Gordon ont parfois parlé de cette flamme. Enfin, Scott, il est mort maintenant, donc... Malheureusement, je ne connais aucun de ces secrets. Je sais juste que le feu solaire ne peut être transporté qu'avec une torche particulière. Si, il nous a dit qu'il était possible de détruire un cuirassé grâce au feu solaire. Alors, il n'y a pas une seconde à perdre. Partez au plus vite pour Fort Cachouan. Avec le vaisseau de Sid, le voyage ne devrait pas vous prendre longtemps. Il reste juste un problème à régler. Comment allez-vous transporter le feu solaire? Aucune idée. On va aller voir Aminou, tout ça, quand même. Le festival de la flamme a lieu tous les 3 ans à Cachouan. Pendant la fête, on transfère le feu solaire sur la torche des guilles. Afin que son foyer se purifie. Ok. Attaque du blablabla, ça tu m'as déjà dit, feu solaire. Scott a scellé les portes de Fort Cachouan afin de protéger le feu solaire envers et contre tout. Vous avez besoin de la cloche divine pour briser le sceau. Ok. Heureusement qu'on a parlé au roi. Seule la famille royale de Cachouan sait où se trouve cette cloche. Gordon saura sûrement où se trouve la cloche, mais il a disparu récemment. Un proche de Scott ou de Gordon pourrait peut-être vous aider à la trouver. On va demander à la reine, encore une fois. J'ai entendu Scott et Gordon parler de la cloche divine. Selon eux, pour les étrangers à Cachouan, il n'y a qu'un moyen d'ouvrir les portes du fort. Il faut faire sonner la cloche divine devant elle. La cloche repose au fond d'un gouffre situé dans le glacier. Elle sera difficile à trouver. Vous voulez explorer ce gouffre malgré tout? Très bien. Si seulement Gordon était là, vous n'auriez pas à courir un tel danger. Ce n'est malheureusement pas le cas. Croyez-moi, je prie pour votre réussite. Joseph connaît le glacier comme sa poche. Allez le voir, il sera ravi de pouvoir vous aider. Ok, donc on va peut-être pouvoir récupérer la luge ou je ne sais plus quoi qui était cachée dans la grotte sérénite. Ah non, je voulais voir, il y avait un bonhomme qui, je crois, était de la famille royale. Ah ouais, il a disparu. Il était là. Ok, bon bah, on s'en va. Joseph, je crois qu'il était à Salamande. Que je regarde. Tac, tac, tac. On va essayer de faire des petites économies. Ce qu'on dépense, on dépense, mais à un moment donné... Faut que l'argent rentre aussi dans les poches. Ça sert à rien d'aller à Fort Cachouan tout de suite. On va y aller à pied jusqu'à Salamande. Vous avez sauvé ma fille, je vous en remercie. Solange de Borgen l'avait enlevée et me tenait à sa merci. Pardon, dorénavant je ferai tout pour vous aider, il suffit de demander. La seule façon d'accéder au glacier, c'est d'utiliser mon traîneau. J'ai caché mon traîneau au premier niveau de la caverne, Sénith, à côté d'une pierre bleue. Regardez derrière la pierre à droite, vous apercevrez la salle qui contient le traîneau.
Je suis désolé de ne pas vous avoir aidé à trouver le mithril. J'aimerais vraiment rattraper en me joignant à vous, entendu? Alors en route. Ok. Bienvenue avec nous, Jojo. Jojo nous rejoint. Ok, les meilleurs à main nue qu'avec une épée. Bon bah, tant mieux, ça me fait faire des économies. Mais on va regarder quand même en passant. Non, bon, ok. Après, on va peut-être pas le garder longtemps avec nous, donc on va pas s'embêter. On va aller voir son traîneau. Mince. On a perdu tellement de temps dans l'épisode précédent à aller chercher le traîneau. Par contre, on voit qu'au niveau de ses stats, il est bien plus faible que mes personnages. Parce que le 5 points de mana, on avait 10 nous dès le début. Joseph active un petit levier caché dans le mur et un passage apparaît. Le traîneau est ici. Ah, il était bien caché son traîneau. Vous optez le traîneau. Bah, demi-tour. Hein. Enfin, quoique j'aurais pu me téléporter, mais bon. Par contre, il me parle pas de l'emplacement du glacier, alors je sais pas où c'est. Bon, le 225 points de vie de Gilles, ça me fait plaisir. Au moins, on gagne un peu de sous. On a dépensé énormément. Hop, Maria qui dépasse les 600 points de vie, ça c'est cool. Pouvoir amener Joseph chez lui. Reviens vite, papa. Bon, ok. J'adore Joseph, mais je sais que je ne fais que le gêner par ma présence. Oh, je ne pense pas. Je ne pense pas.
Et bien, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Twitch, on va continuer tout de suite. YouTube, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy 2. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.